Alors bonjour à tous, je vais vous présenter un modèle iconique pour le cyclisme et c'est le modèle Jawbreaker que je vais vous montrer juste ici. Donc un modèle qui a été pensé et fabriqué avec des cyclistes justement pour répondre aux contraintes qu'on peut trouver sur le terrain avec différentes options que je vais vous présenter tout de suite. Première chose, on va parler de l'écran. Donc un écran encore une fois qui est galbé pour protéger donc à la fois du vent mais aussi des projections qu'on va pouvoir retrouver sur les pistes tout simplement. Mais aussi et surtout un système qui va permettre de régler vos branches en fonction de votre façon de porter votre casque. Donc l'objectif et l'intérêt bien sûr, c'est d'éviter une pression entre le casque et la branche qui peut donner des maux de tête sur le long terme. Je vous montre. Donc la première, soulevez la petite ailette qui est au niveau de la branche. Et de cette manière, vous apercevez trois crans distincts qui permettent de régler sur un total d'1,5 cm la longueur de votre branche. A vous de choisir la longueur qui vous convient le plus et simplement refermer le loquet. Autre spécificité, cette fois on va trouver un changement d'air qui est très facile. Donc vous allez le voir, ça se passe au niveau du nez. Je vous retourne la monture. Il suffit de lever la partie nasale donc sous forme de clé. Et ici, vous allez voir que ça va débloquer la partie métallique sur le haut de la monture. Une fois que c'est fait, il suffit d'ouvrir la monture sous forme de mâchoire pour pouvoir retirer le verre et l'interchanger si vous avez un autre type de verre sous la main. Je vous montre la méthode pour le remettre. C'est exactement la même chose, mais à l'inverse. On va glisser le verre à l'intérieur de la monture pour ensuite venir fermer avec la mâchoire et venir clôturer tout ceci avec le système qu'on a vu précédemment au niveau du nez. Comme ceci. Donc sur cette monture, vous avez bien évidemment le verre Prism Road qui est équipé, mais il existe également avec beaucoup d'autres types de verres. Je pense au Prism Trail, je pense au Prism Road Black, qui sont des verres spécifiques à leur environnement. Celui-ci, en l'état, est un verre qui va permettre de rehausser contraste, luminosité et détail sur un environnement de route, bien évidemment, et plutôt urbain. Donc ça vous permettra de voir tout simplement de manière plus anticipée les irrégularités de la route ou encore les dénivelés tels qu'on les aperçoit. Voilà, vous savez tout.